Alors celui-là, il est un peu plus gros en diamètre extérieur, mais la rondelle support de ressort rentre parfaitement. Et j'en ai un autre. Et j'en ai un autre où le diamètre est quasi le même. Un tout petit peu plus large, voire 0,5 mm de chaque côté. Mais tous les diamètres sont bons. D'ailleurs, les hauteurs de lèvres sont bonnes, hein. 12,5 en haut, 8,5 en bas. Enfin, 12,5 à l'extérieur, 8,5 à l'intérieur. Pareil pour celui-là. Le diamètre ici extérieur est un tout petit peu plus large. Là, il est. Un micro-poil plus large, donc c'est très bien. Par contre, la rondelle rentre un tout petit. Ouais, si, c'est parfait. Ok, c'est pas parfait. Mais c'est très bien quand même. Donc, je vais mettre celui-là. Je garderai celui-là qui est un peu plus large. Au cas où je devrais réaliser le cylindre en intérieur un jour. Je vais quand même regarder. Ah oui, je parle même pas du prix, hein. Ouais, voilà, celui qui est plus large, il donne ça et je trouve ça vraiment très bien. Celui qui est un tout petit peu moins large. Il donne ça. Et c'est très bien aussi. Je rappelle qu'avec ce joint-là, d'origine, quand je freine, ben quand je freine pas, j'ai pas de fuite. Quand je freine, j'ai pas de fuite. Et quand je relâche le frein, j'ai une petite fuite. Sachant que l'air qui sort par ce joint au moment où je relâche le frein, il sortirait quoi qu'il arrive par la soupape de desserrage rapide. Car l'air qui est utilisé dans les quatre poumons de frein, quand on relâche la pédale de frein, il doit s'en aller à l'extérieur par la soupape de desserrage rapide. Mais je pense que c'est plus logique qu'il sorte par la soupape de desserrage rapide plutôt qu'il sorte par une absence d'étanchéité entre ce joint et l'alésage de ce cylindre au moment où on relâche la pédale de frein. Même si c'est pas un moment critique, parce que si on relâche la pédale de frein, c'est qu'on a passé le moment critique. Je pense que c'est plus logique que ça ne fuit jamais à cet endroit-là. Donc je vais mettre celui-là. Ça marche. Alors maintenant, il y en avait un troisième. Il y en a un troisième. Alors lui, c'est plus une adaptation. Je regarde vite fait. Que le diamètre intérieur est pas bon. Ouais, c'est du 40, 70, 12. Alors que c'est censé être du 42, 70, 12 et 8,5 à l'intérieur. 12 c'est l'extérieur, 8,5 c'est l'intérieur.
Pour le faire chauffer normalement pour le mettre, mais bon, je veux juste voir parce que j'ai pas envie de me faire chier. Hein. Le truc, c'est qu'il coûte pas cher. Ça aurait été une solution de repli, mais c'est pas mon style. J'ai préféré bien me faire chier à trouver des joints parfaits, hyper rares, sur mesure, super chers, parce que c'est du freinage et qu'on rigole pas avec le freinage. Donc là, il est bien. Impeccable. Donc là, on voit le fond avec le joint en forme de disque plat au fond. Donc je redis ce que j'avais dit dans l'autre vidéo, c'est le bas de la pièce en laiton, ça, qui appuie sur le disque plat en bas pour ouvrir le passage d'air. Bref, je vous mettrai un schéma. Il y a un truc que je n'avais pas remarqué. J'avais déjà remarqué ce petit trou ici qui est un passage d'air entre l'intérieur ici. Voilà, j'ai soufflé, on voit le jour et je viens de remarquer un second. Ici. La conception du maître scien est quand même intéressante. D'ailleurs, je pense que l'utilité du joint torique est une façon d'apprécier un freinage un peu plus. Et peut-être, hein, peut-être une façon d'apprécier un freinage plus précis. Quand on n'enfonce pas la pédale totalement, parce qu'on voit que le joint torique va couisser entre deux diamètres extérieurs en métal. Le premier ici qui fait 1 cm de profondeur, et il y en a un plus bas. Une fois que la pièce en laiton pousse bien le disque, le joint torique descend beaucoup plus bas. Donc il y a un moment où le joint torique doit faire une pseudo-étanchéité, un moment où il n'en fait plus du tout. Ce qui permet de freiner peut-être doucement au début et fort après. Pour faire genre laisser passer l'air partiellement au début et laisser passer l'air totalement après. C'est une hypothèse. Allez, c'est bien. Bizarre que ce soit 4. Bon, en bas, RC, je sais pas.
Ça doit être 16 576. Bon, on verra. Oh, tiens. Seize mille cinq cent soixante-dix-huit. Avec ici, on dirait un W avec une barre horizontale. Westinghouse, sans doute. La marque de freinage de l'époque. Aujourd'hui, je crois que c'est Wabco qui a repris ça. Je me suis aperçu qu'en ayant utilisé le tracteur pour faire du dessouchage et un peu de débardage quelque part, il y a une durite de frein qui s'est fait abîmer. Et également, il y a des raccords olives sur les tuyaux en acier d'origine qui se sont fait abîmer. Du coup, là, il y a des fuites. J'ai décidé de remplacer tout ça par des durites flexibles, comme vous voyez sur le plan. C'était au niveau de la roue avant droite. Quand je tournais à fond à droite, la durite s'est faite un petit peu frotter. Du coup, ça a retiré la première membrane. Et la gaine spirale, ça sert strictement à rien. Du coup, j'ai mis de la gaine de BTP. Ça passe à un endroit un peu moins dangereux. Donc, ça devrait aller mieux. Donc, les durites, c'est ça. Je frotte un peu contre le cardan, mais ça a l'air d'aller. Enfin, un peu quand ça tourne dans un certain sens. Voilà. Tac. Il y en a un qui part au-dessus. Et qui arrive ici. Elle arrive là. Et là, il y a du mou. Et voilà. À l'arrière, elle va très bien. Elle est très bien placée. Et elle est plutôt encore en bon état. Mais à terme, je la changerai également. Mais elle est en bon état. Elle est très bien placée aussi. Et voilà.